Olivier Giroud, Antoine Griezmann sont prêts dans le rond central et dans le coup d'envoi de cet Euro 2016. Stanciu vers le premier poteau. Oh, au second poteau sur sa ligne. C'est sauvé par Hugo Lloris. Et derrière, pas de possibilité de reprise. Il devait attendre dès le départ. C'est-à-dire des Français qui tiennent le ballon. Bon et sens. Qui s'entrent. Oh, Griezmann derrière la tête sur le poteau de Griezmann après l'énorme erreur défensive roumaine. Payet. Ah, encore la différence. Ah, Dimitri Payet dans la phase de réparation. Joué. Et la reprise de Paul Pogba. Et la parade de Tatar Moussanou. Cette fois-ci, c'est pied gauche. Tatar Moussanou. Ouais. Oh, il a manqué sa sortie. Et Olivier Giroud, à la 57e minute, vient libérer le Stade de France. Libérer l'équipe de France. Oula. Oh, pénalty. Eh ouais. Oh, pénalty. Et ça passe. Ça passe pour Stankou avec l'égalisation. Coman, Kanté, Payet. Frappe du pied gauche. Oh, oh, l'étincelle. Le foudre. 89e minute. L'homme du match, c'était déjà lui. L'homme du soir, c'est définitivement Dimitri Payet. 2-1. Ah, il était... Il va y avoir un dernier changement et on va se taire pour les applaudissements du Stade de France. Bravo. On espère un peu moins souffrir dans les premières minutes. Ça a été compliqué contre la Roumanie. Alors on espère pas attendre si longtemps, surtout on espère que ça va se décompter. À donner. Alors attention à ce coup franc juste au-dessus de la transversale. Giroud, le voilà pour un premier centre détourné avec la tête de Coman. Isaac. Attention à ce centre, ils étaient deux sur le poteau. Oh, réussite. Qui pique, ça dit coup, était de retour. Là, ça a été récupéré. Colo Kanté, côté gauche, Kingsley Coman. Le centre, ouais. La tête de Giroud. Nouveau centre, Giroud. Oh, le poteau. La prochaine fois, ce sera la bonne. Qui s'est encore une fois imposé de la tête, le centreur ami. Et ouais, Antoine Griezmann, 90e minute. Voilà, il fallait encore un sauveur. Voilà les Bleus, adorent nous faire patienter jusqu'au bout du bout. Ça fait énormément de bien face à Mavraille. Bon ballon ça. Sur le côté droit, il y a Blaise Matuidi. Et il y a aussi Dimitri Payet. Là il peut. Deuxième but dans cet Euro, dans le temps additionnel du temps additionnel. 2-0 pour les Bleus. Mais les Bleus sont qualifiés en 8e de finale de cet Euro 2016. La sortie des joueurs. Allez les Bleus, c'est Suisse-France. C'est parti. Le ballon à Cavani. Oh, wow, ça a failli passer, Lloris s'est dégagé. Là, on doit être dans la surface de réparation, il faut ressortir peut-être le ballon. C'est ce qu'il a fait avec Pogba. Il y a Sissoko qui arrive lancer. Et l'arrêt sur la barre de Yann Sommer. Paul Pogba l'a frappé, la claquette magistrale du gardien Yann Sommer. Griezmann qui traîne toujours. Il a eu l'habitude à l'Atlético Madrid de faire les efforts défensifs avec Diego Simeone. La frappe de Pogba. Et la barre encore pour un Paul Pogba qui est sur un nuage. Oui, c'est ça qui... Et curieux quand même, personne ne l'aide si Griezmann est bien placé avec un échange 1-2. Griezmann, oh la claquette de Sommer. Je vous en parlais de ce diable de gardien, il est toujours là. Et puis il répond au niveau de la puissance. Sissoko, il est parti. Sissoko encore, il y a du monde devant avec un appel de Payet à gauche. Dimitri Payet. Et la barre, quelle reprise extraordinaire de Payet en pleine confiance. Mais cette fois, ça n'a pas marché. C'est terminé. L'équipe de France concède le 0-0, mais l'essentiel... L'Irlande et la France, c'est une longue histoire. Le dernier épisode, c'était en 2009, on s'en souvient. La main de Thierry Henry, le but de Gallas. C'est parti, le coup d'envoi donné par la République d'Irlande et la reprise qui a été contrée. Une deuxième chance peut-être pour Long, qui ne pourra pas... Pénalty, pénalty d'entrée. Il y a pénalty. Pénalty
Ouais, ça passe avec énormément de réussite. Et ce poteau rentrant, et la République d'Irlande qui mène 1-0. Et la longue touche de Stephen Ward. Et cette reprise, la parade du Golori, c'est pas terminé ça. On est effectivement à 30 mètres. Payet. Ça contourne. Et là, il y a une possibilité avec le centre de Matuidi. C'est pas terminé. Giroud et Payet qui se met sur le pied gauche. Oh, toujours pas de frappe. Griezmann. Oh, et cette défense. Et cette défense. C'est terminé pour cette première période compliquée. Payet, l'espace il est là. Le temps pour Bakary Sagna. Levez la tête, regardez le placement. Oui. Et partenaire. Oui. Et la tête d'Antoine Griezmann sur le bon centre de Bakary Sagna. 58e minute. Ça va mieux hein, partout. Regardez ces chiffres, j'ai fait 7 tentatives. 2, 4, oui. Simplement. Le doublé. Le. Oui. Le doublé. Antoine Griezmann. En 5 minutes, il vient de faire basculer la rencontre. D'abord de la tête. Et ensuite. Les bleus mettent 2-1 et ça commence à sentir bon. Mais là, Giroud, oui. Voilà, peut-être une deuxième passe décisive. Giroud, ah, là c'est pas ça, rouge. Ça sera rouge. Gignac. Si, ça y est, c'est terminé. L'équipe de France est en quart de finale de l'Euro. Mais que ce fut dur. Mais on commence à s'habituer, Bichente, avec les Bleus. C'est dur, on souffre, on est plein d'angoisse. Et à la fin, pour l'instant, les coéquipiers Antoine Griezmann s'en sortent. Ils continuent leur attaque. Un déplacement de Subasic. C'est parti ce quart de finale en tous les cas. Conjugué à la suspension de Hummels. En demi-finale, il n'y a pas d'heure. Olivier Giroud, qui frappe et qui délivre le Stade de France. Superbe but d'Olivier Giroud qui permet à l'équipe de France de respirer et de marquer un but capital dans le premier quart d'heure. Ce n'est pas arrivé depuis des lustres. Et pas seulement face à l'Islande, c'est Thorsson. Et c'est au-dessus, quelle occasion là pour l'Islande de revenir dans le match. C'est Bodversen qui était à la retombée. Et ils ont failli faire la même chose. Griezmann, un ballon qui s'élève bien, qui est rentrant. Il est là, Paul Pogba à la retombée de ce corner. On avait dit l'importance des coups de pied arrêtés des corners. Paul Pogba fait cette fois chavirer, peut-être définitivement, le Stade de France. La remise de Giroud. Griezmann pour Dimitri Payet, la frappe du gauche. Et c'est le troisième. 1-2-3-0, il ne voulait pas l'entendre, on sentait. Ils vont certainement l'entendre. Dimitri Payet. Se donne les moyens de battre l'adversaire. On est peut-être le quatrième. Griezmann 4-0. Quel talent, quel toucher de balle. C'est un récital, c'est un festival. L'Islande va rentrer chez elle. C'est la pause, 4-0. Vous en voulez encore? Eh bien ce sera dans quelques instants. A tout à l'heure. Centre fort devant le but. Et un but islandais. Ouais. Le but islandais malgré. Bien pour l'entraîneur Payet. Bon ballon. Ouais, c'est le cinquième. Dimitri Payet, il l'a mis sur le projet aussi dans les infrastructures. Le corner et le réflexe énorme du Golioris. Le centre, la surface de réparation et le deuxième but. Eh oui, de Bjørn Arson. Et c'est terminé. C'est terminé sur ce score de 5-2. Ces Allemands, c'est parti. Le coup d'envoi. Il a retrouvé Matuidi qui cherche bien Griezmann. Oh, si ça va au bout. Et la première frappe de cette rencontre sortie par Emmanuel. Avec la reprise de Chan et la parade. Et Schweinsteiger qui enroule à son tour. Et la claquette du Golioris au-dessus de sa transversale. Attention. Oh là, oh là, oh là, ils sont en train de réciter un tableau noir, les Allemands. Umtiti qui sort ce ballon juste devant Thomas Müller. Ça passe jusqu'à Patrice Evra avec Antoine Griezmann. Le petit filet. Giroud, elle lutte avec Boateng. Avec le contre favorable, il aura Griezmann sur sa droite. S'il l'a vu, il n'a pas pu frapper. Retour de Vénès. Griezmann tendu, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Penalty. Mais derrière, c'est penalty. Pour ouvrir le score en faveur de l'équipe de France. C'était un penalty sans doute très très généreux de la part de Monsieur Rizzoli. Mais le pied gauche.
attention, regardez Antoine Griezmann qui est en train de motiver tout le virage sud du Stade Vélodrome. Très très mauvaise nouvelle pour le 11 allemand. De Patrice Evra, il a trouvé Sissoko, le gros pont sur Renato Sanchez pour Griezmann, la frappe de Griezmann, c'est à côté du cadre, récupéré par Payet qui dérive sur la passe. C'était pour Antoine Griezmann et quel arrêt de rue Patrice Dimitri Payet, oui le coup de tête encore. L'intervention défensive de Dimitri Payet, il semble souffrir, oui il semble souffrir Cristiano Ronaldo, c'est fini, terminé, coup dur dans cette finale. C'est terminé pour Cristiano Ronaldo, oui. Changement. Sissoko. Alors lui, il fait mal. Hein. Oh là là, quelle accélération encore. La frappe enchaînée de Moussa Sissoko. C'est au-dessus de la transversale. C'est les Français à l'image, oui, de Moussa Sissoko. Oh, la frappe, le gros arrêt encore de Rui Patricio. C'est pour Kingsley Coman. Peut lancer Antoine Griezmann. Griezmann, sa frappe est contrée, freinée. Et captée par Rui Patricio. Oui, là, ça joué. Griezmann. Pas mis. Ce coup de tête là par entrée. Continue. Oui, oui, il s'est relevé très vite. Il a repris ce ballon avec de la réussite. Giroud. L'arrêt encore de Rui Patricio. Le dégagement de Rafael Guerrero. Ouais, le centre de Nani. Oh, l'arrêt. Quel arrêt de Loris. C'est un effort. Il apporte le surnom. Il peut décaler Paul Pogba. Oh, la frappe, l'arrêt encore de Rui Patricio. C'était la frappe de Moussa Sissoko, pardon. Et Vra. Oui, le centre arrive dans les pieds d'André Virginie. Frappe du pied gauche. Oh, vont devoir disputer une prolongation deux fois 15 minutes 0-0. Gignac a failli offrir le trophée. La solution la plus judicieuse appelle certainement un centre. Voilà qui est fait. En jeu. Quaresma pour le corner. Attention, la tête. Oh, l'arrêt réflexe sur sa ligne. Oula, main et coup franc très dangereux. C'est pas lui qui fait main, Laurent Koscielny. C'est Eder qui fait la main. Golioris s'est fait mal, hein, avec Eder qui fait du mal à la défense française. Eder fait beaucoup de mal. Et en frappe. Et il meurt, c'est l'ouverture du score. Comment pour le centre, au deuxième poteau. La reprise. Hors jeu.